Alors, c'est une première pour moi de participer à cette conférence, à ce type de conférence. Et je suis très impressionné par, déjà par la taille, par les échanges qui sont effectués entre les différentes délégations. Le travail des chairmen qui est assez impressionnant. Ils sont vraiment très, très capables et ont une position très importante. Mais je suis très satisfait de participer à cette réunion. Alors, comme beaucoup de personnes, on parle d'une remise à jour des recommandations de l'ITU qui, la dernière fois, a été faite il y a 24 ou 25 ans. Donc, c'est véritablement comment est-ce qu'on va arriver à cette remise à jour actuelle, même si il est vrai que, vu la transformation que les télécoms ont vécue durant ces 25 dernières années, les recommandations de l'époque sont encore valables. Donc comment est-ce qu'on va arriver à quelque chose qui va permettre de durer aussi 25 ans ou pas? Donc, c'est un peu la question qui est importante à mes yeux. Alors, je crois que la question de transparence n'est pas vraiment pendant la réunion, vu que pour l'ensemble des délégués qui sont présents, toutes les discussions sont revues et reprises par justement en réunion plénière avec les chairmen. Je pense que la grande question de transparence est que sans être membre de l'ITU, on ne peut pas participer. Et je crois que c'est cette question-là que certaines ONG ou certains membres extérieurs ont ce problème, que tout se passe entre membres du secteur. Mais sinon, en tant que transparence, en étant sur place, je ne vois pas aucun problème de transparence.